Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire voir le courrier que j'ai reçu d'Aligon pour notre échange voyage ATC. Alors, je la remercie énormément parce que franchement, elle m'a gâtée. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Elle m'a mis des strass. Comme ceci. Elle m'a fait des tamponnages. Comme ça. Et elle m'a mis celui-ci. Et je trouve ça super. Je pense que je vais mettre ça de côté. Et je pense que ça me servira pour l'album de mon fils. Comme je disais, qui risque de faire un voyage en Espagne. Donc, du coup, je pense que je m'en servirai pour lui faire son album. Alors, je vais vous faire voir sa petite carte. Donc, elle m'a fait une memory d'ex. Alors, j'adore les papillons. Je la trouve super belle. Et comme toi, j'adore les couleurs pastel, le noir, le blanc et l'argent. J'aime aussi le côté or, donc voilà. Mais je trouve que c'est super joli. Alors, son ATC. Et elle m'a mis les explications de son ATC avec. Alors, elle m'avait tout ficelé. Voilà. Donc, je vais vous faire voir son ATC. Il est superbe. Donc, c'est le thème Portugal. C'est P comme Portugal. Donc, on peut retrouver... Je lis en même temps. Donc, on a en Liège la forme du Portugal. On a le coq de Barcelles. On a un œillet et on a la guitare portugaise. Donc vraiment super chouette. Merci, c'est vraiment super joli. J'adore. Elle m'a fait des enamel dots, comme ceci. Elle m'a fait une magnifique carte. Regardez-moi ça comme elle est belle. Franchement, j'adore. Ah, et puis du coup, il y a son petit tampon, j'avais pas vu. Son petit tampon personnalisé, j'adore. Donc, elle m'a mis ça, mais c'est pas fini. Donc, le tout était enroulé avec ce ruban-là. Et je suis en train de ranger tous mes rubans. Donc, je vais pouvoir le ranger avec. Si ça vous intéresse, je vous ferai voir comment j'ai mis mes rubans. Elle m'a mis des découpes en bois. Vraiment, j'adore. Pouvoir les ranger avec les autres parce que j'ai bien avancé dans mon rangement scrap. En plus, je suis super contente. Ça commence à prendre ça. Et elle m'avait mis, alors j'adore ces petits sacs, je sais pas où tu es qu'elle les a eu, mais j'adore ces petits sacs. Elle m'avait tout mis dans des petits sacs comme ça. Donc j'ai un ruban comme ceci, j'ai un autre ruban comme ça. J'ai de la dentelle noire, j'adore. J'ai un ruban comme ceci. Et j'ai un autre ruban comme cela. Donc vraiment, merci beaucoup, j'adore. Et je vais vous faire voir, ce week-end, j'ai décidé de faire un... commencer un calendrier de l'Avent. Pour la fille d'une copine. J'adore cette petite, elle est géniale, voilà. Et je me suis dit, bah, je vais y faire un calendrier de l'Avent. Donc, c'est mon tout premier calendrier de l'Avent. Donc, j'espère que ça y plaira. Donc, il n'est pas fini. Hein. J'ai juste. Donc, j'ai suivi le tuto de Lucie de la chaîne Les Créations de Luna qui a donné ses dimensions.
Sauf que en dessous, je voulais quelque chose qui fasse un peu épais. Donc, ce que j'ai mis en dessous, il y a quelques mois, j'ai fait mon parquet de chambre. Et il me restait une bonne partie d'un rouleau. Et je me suis dit, mais je vais le garder parce qu'en fin de compte, ça faisait tout mou. Comme je me dis, je peux les utiliser pour les couvertures d'albums. Et effectivement, je l'ai mis en dessous et ça fait cet effet mousse, pas moelleux, on va dire. Donc là, c'est sur du papier. Donc la couverture, j'ai mis ça. Donc ça, c'est une imitation cuir que j'ai eue de chez Toga. Et derrière, alors j'ai peut-être mis du coup, ça n'a pas fait comme prévu parce que du coup, la mousse en dessous, du coup, on voit ma colle parce que j'ai mis de la colle. On voit un peu. Alors, est-ce que c'est complètement sec ou pas? Je ne sais pas. Et du coup, là, j'ai mis des brads pour faire, pour s'il est posé, que ça fasse, que ça le protège. Et c'est vrai que là, on voit mes traces de colle. Alors, je ne sais pas s'il est complètement sec ou pas. Mais franchement, voilà. Et puis bah, l'intérieur, vous voyez, c'est pas encore fait. Mais j'ai déjà fait l'extérieur. Je pense mettre des coins, mais il faut que j'aille en acheter des plus gros parce que j'en ai eu chez AliExpress. Ils sont tout petits. Donc ils vont pas. Donc il faut que j'en rachète des gros. Donc voilà, ce week-end, ce que j'ai fait. Donc voilà, donc merci beaucoup Daligon, j'adore ce que tu m'as envoyé, c'est super beau, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!